Bonsoir à toutes et à tous, merci. Alors je suis très flatté de passer de l'autre côté de la barrière parce qu'il m'arrive d'être jury. Donc je suis hors télécommande. Voilà, je suis Steven Morvan, je suis responsable innovation au sein du groupe Sigma. Pour ceux qui ne connaissent pas Sigma, on est infogéreur, intégrateur, éditeur. Et on est éditeur d'une solution qui s'appelle Advantage WMS, qui comme son nom l'indique est une solution de... gestion d'entrepôt. Merci. Et pourquoi sert cette solution? Eh bien, en fait, elle sert à optimiser le fonctionnement des entrepôts dans divers types d'enseignes et de grandes distributions. Alors, la problématique, je vais m'intéresser aujourd'hui à la personne qui est ce qu'on appelle un préparateur. C'est la personne qui va passer sa journée dans l'entrepôt à remplir des cartons et à préparer les expéditions. C'est un boulot qui est ingrat. C'est peut-être grâce à lui que vous avez réussi à avoir vos cadeaux de Noël à temps, mais c'est un boulot qui est assez difficile, où il y a une part d'intérim qui est assez importante. Il a trois façons de travailler. La première, c'est avec la checklist papier. Donc, il va retourner, cocher qu'il a pris le bon produit, remplir un carton, etc. C'est générateur d'erreurs. Il a une deuxième solution qui est la douchette ou la scanette ou le gun. Donc là, il va avoir un outil qui va permettre de scanner les codes barres, mais ça va lui faire qu'il va avoir la main tout le temps occupée. Et puis la troisième solution qui est à la mode, c'est la radiofréquence, le micro. Donc il passe sa journée avec un micro, un casque sur les oreilles qui va lui dire toute la journée, va à tel endroit, va récupérer tel produit. Et il va valider en disant OK toute la journée. C'est assez difficile à vivre. Alors vous allez me dire, évidemment, il y a une solution nouvelle qui apparaît sur le marché qui est la réalité augmentée. Et je vais. Voilà, et vous allez vous dire que je suis là pour vendre ma solution de réalité augmentée. Et bien, comme l'a dit Philippe, pas tout à fait. Je suis plutôt là pour vous expliquer comment résoudre un problème d'innovation, comment résoudre très vite des histoires de coûts, de délais, de qualité. Et puis surtout, pour faire écho à ce que disait Vincent, quelque chose qui apporte vraiment un usage. On peut faire des choses qui sont très jolies et qui font le buzz dans les gazettes, mais qui ne fonctionnent pas sur le terrain. Mon enjeu, mon défi à moi, ça a été de faire une solution qui fonctionne. Alors, la solution, je suis un tire-bouchon, c'est une solution à plein de choses, donc j'ai pris ça comme icône. La solution, comme dirait mon père, c'est de descendre de vélo pour se regarder pédaler. Chez Sigma, on sait faire plein de choses, on a des gens qui sont formateurs, experts en supply chain, on a des partenaires, des clients, des fournisseurs qui font ça très bien aussi, mais on est encore dans le métier, la tête dans le guidon. Ce qu'on a aussi chez Sigma, on a cette force d'avoir monté un partenariat avec les grandes écoles et les grands établissements de la région. On les fait venir régulièrement, on échange avec eux, petites photos prises au hasard de gens qui sont venus parler chez nous, toute connaissance, ressemblance avec des personnes connues, n'est pas voulu. La décharge, il était tôt. Et nous avons travaillé avec trois de ces écoles. Alors, deux écoles d'informatique, ça tombe bien, ils sont aussi à l'IMIE et l'ancienne école des mines. Et puis l'ICAM, qui n'est pas une école d'informatique, mais nous avons quand même travaillé avec l'ICAM. Pourquoi l'ICAM? Présentation rapide de l'ICAM. Parce que l'ICAM nous a aidé à travailler sur les usages, pas sur la technologie c'est bon, on la maîtrise, on a travaillé avec les écoles qui vont bien, mais sur les usages. La partie art et métier nous a intéressé parce qu'on a pu aller beaucoup plus loin dans notre projet. Le dispositif c'est quoi? Le dispositif ça s'appelle un projet de recherche. L'ICAM nous met à disposition pendant 18 semaines, ça fait à peu près 4 mois, un binôme d'étudiants, un enseignant-chercheur. Alors sur ce projet-là on est allé un petit peu plus loin, on a eu... Alexandre qui est l'ICAM de Toulouse, on a eu Jean-Baptiste l'ICAM de Nantes, on a eu Vivek, un étudiant indien qui est venu renforcer le dispositif, et puis Nicolas, enseignant-chercheur qui est ici, vous pourrez venir lui poser des questions tout à l'heure. Pourquoi ça a marché? Qu'est-ce que ça nous a apporté? Trois grandes qualités de travailler avec les étudiants. Le premier, c'est qu'ils ont une imagination débordante, ils ont une certaine neutralité par rapport aux attentes, aux besoins, etc. Et ils sont venus travailler sur ce projet sans préjugés. Et la réalité virtuelle, ce n'était pas une finalité, c'était qu'un moyen qui pouvait répondre à cette problématique-là. Deuxième qualité de travailler avec des étudiants, c'est que c'est plus facile pour rentrer dans une entreprise d'envoyer un binôme d'étudiants plutôt qu'arriver nous avec nos gros sabots. Les étudiants, ils observent facilement, on les laisse rentrer, etc. Donc ça, c'est une forte valeur ajoutée. Plus fort que ça encore, l'ICAM, ils ont un très bon réseau d'anciens élèves, les autres écoles aussi. Et donc, quand nous, on est arrivé avec nos gros clients, les SkyWest et Birkin, eux, ils sont allés toquer dans d'autres entreprises et ils ont complété notre étude avec des solutions qu'on ne connaissait pas, puisque ce ne sont pas des gens qui étaient des clients à nous. Donc ça, c'était la deuxième valeur ajoutée de cette démarche. Troisième valeur ajoutée, troisième chose qui a fait que ça a marché, c'est le lâcher prise. Par rapport à un stage au standard où vous écrivez le cahier des charges, l'étudiant vient, travaille pendant 5 ou 6 mois et retourne et vous donne un livrable, là, on a fonctionné différemment. On leur a confié les clés du camion, si vous me passez l'expression, et c'est eux qui ont piloté le projet, c'est eux qui sont allés chercher les éléments, c'est eux qui nous ont fait les propositions, qui nous ont challengé, qui ont construit le backlog, ceux qui sont à l'aise avec les méthodes agiles, et puis on a développé ensemble un prototype. On va parler un petit peu, tout petit peu finance, puisqu'il faut parler finance. Je vais vous parler de la globalité du projet. La globalité du projet, on a investi un peu dans le matériel et la formation. Il y a une paire de lunettes qui est là-bas, donc je vous ferai une démo
pas avec les lunettes parce qu'elles sont en panne, mais je peux vous faire une démo du système. Une prestation de l'ICAM qui est éligible au crédit impôt recherche, une assiette étendue, et puis du temps qu'on a passé au niveau Sigma. Donc le projet m'a coûté moins cher que si je l'avais fait en interne, grâce à ce dispositif-là. Concrètement, qu'est-ce qu'on a fait ? On a quand même on est quand même arrivé sur des solutions de lunettes connectées. Ça, c'est les lunettes de chez Optinvent, une société rennaise. Et puis on s'est dit, en termes d'usage, ok, on a la technologie, mais qu'est-ce qu'on va faire comme usage ? Comment on va marquer le client ? Comment est-ce qu'il va se souvenir d'avoir testé notre solution, notre produit ? On l'a emmené, cette solution de lunettes connectées au SITL, au salon de transport et de la logistique à Paris, et on a construit un scénario. Vous êtes tous allés dans des salons, et vous repartez tous avec un sac de goodies. Et ben, l'enjeu, le pari qu'on a fait, c'est de se dire, pourquoi le sac de goodies, on ne donnerait pas au prospect les lunettes ? La première information que lui donnerait les lunettes, c'est d'aller chercher le sac avec le logo Sigma, d'aller chercher le crayon, d'aller chercher les clés USB, et de mettre tout ça ensemble, et ensuite de nous rendre les lunettes, pour lui, ça vaut 700 balles quand même, et de repartir avec une émotion, l'émotion d'avoir testé le produit et d'avoir vu que ça fonctionne. Alors, je vais vous montrer une démo assez rapide de comment ça marche. J'ai fait une vidéo, j'ai pas pris de risque. Vous m'excuserez, la vidéo est un peu saccadée parce que j'ai un peu la tremblote. Mais je vais vous montrer comment ça marche, et donc on va rentrer dans les entrailles du département marketing de Sigma. Hop, là, voilà, je suis allé trop vite, il faut que je refasse vers l'arrière et vers l'avant pour que ça marche. Et donc, je vais commencer par scanner mon badge pour m'identifier, même à l'envers, ça marche, il n'y a pas de souci. Je suis identifié comme étant mon utilisateur. Il va me présenter la commande à prendre, donc là, il me dit que je suis en mode préparation simple. Voilà la commande que j'ai à faire. Je vais rescanner mon badge pour dire « je prends la commande ». Il me dit « maintenant, tu vas aller dans cet endroit-là, et tu vas aller récupérer le produit ». Donc, juste en passant les lunettes devant le code-barre, j'ai pu identifier à quel endroit j'étais, et ensuite, je vais scanner le QR code, vous voyez, une petite mise au point à faire, je scanne le QR code, et c'est bon, j'ai pris le bon article. Pour valider que j'ai pris la bonne quantité, je reprends le produit, je le remets devant les lunettes, et j'ai validé que j'avais pris la bonne quantité. Je passe à l'emplacement suivant, là, comme j'étais resté sur le premier, il m'a dit « toc, toc, c'est pas le bon emplacement », passe à l'emplacement suivant, et sans les mains, juste avec les lunettes sur les yeux, je suis capable de construire mon sac et de mettre un coup le crayon, je suis vraiment désolé, j'espère que vous avez mis le mode anti-vibration, et je vais prendre la plaquette de Sigma, ça marche en conditions difficiles, hein. Vous voyez que ça marche même quand ça bouge beaucoup, on pourrait même imaginer ça dans un camion, et donc j'ai pris mon article qui est correct, il m'envoie dans la zone de réception, et la zone de réception, vous allez voir que ça va m'indiquer zone 1 avec un QR code, et je vais approcher de cette zone de réception, et j'aurai terminé ma préparation. Donc là, je vous ai montré en 55 secondes un picking fait avec une solution lunettes connectée. Bon, ça, c'est des petits collègues du marketing qui vous disent bonjour. Et puis là, je vais passer à la préparation suivante. Alors, les lunettes, c'est pas encore une solution définitive en termes de fonctionnalité. C'est pas très fiable, c'est pas très résistant. Mais ce qui est bien, nous, c'est qu'on est prêt. C'est-à-dire que quand le marché va être prêt, vous voyez Dacry qui est en train de préparer un casque de chantier connecté, vous avez le HoloLens de Microsoft, vous avez le casque de chez Optinvent qui va remplacer les lunettes et qui va être beaucoup plus facile à porter, et bien nous, on est prêt, grâce à ces travaux, on a l'usage, on a les fonctionnalités, et on est prêt à aller sur le marché, et on est prêt à donner ça à notre préparateur, histoire qu'il ait la vie un petit peu plus calme. Maintenant, un pitch, je suis allé plus vite que la musique, un pitch, ça se termine par « qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi ?» Et bien j'ai envie de vous dire différemment cette fois-ci, qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous ? Et moi, je vous invite juste à vous rapprocher plus des écoles, vous rapprocher plus des étudiants, des labos, et puis de profiter de cette énergie et de toute cette valeur ajoutée qu'ils peuvent vous apporter. Voilà. Merci beaucoup.